verbe, chez Beethoven, mais c'est quelque chose de particulier, et ça nous amène à une introspection, et surtout une poésie particulière. Et en fait, c'est ça un petit peu le mystère de Debussy, c'est l'utilisation pratiquement matérielle du piano pour évoquer une pensée abstraite, en tout cas un mouvement de pensée. D'un aspect virtuose chez Debussy, peut-être en creux par rapport à la virtuosité romantique du début du 19e, en fait une virtuosité tout, on va dire, malarmène, au sens d'un subtil changement à l'intérieur. Alors c'est vrai que dans cette pièce Cloche à travers les feuilles, ou dans celle qui suit, la lune des 100 ans plus fut, Debussy, dans un souci de concision, demande simplement, à travers des balles très longues, d'imaginer deux instruments qui ne seront pas le piano. En l'occurrence, on pense au gamelan pour cette deuxième pièce. Et on va utiliser donc une sensibilité dans le doigt qui va nous permettre de donner plus d'énergie à certaines notes, ou moins, et de comme ça créer d'une certaine manière une perspective un petit peu dans le son et dans l'empilage un petit peu des accords. On est au-delà de la mime, mais plutôt on est dans la couleur. Typiquement de bustiste, c'est-à-dire on touche une note, on la laisse résonner, on en capte la résonance et on va la suivre.
Avant Debussy, les compositeurs utilisaient la pédale avec prudence. Il existait même des astuces pour créer des effets semblables par les doigts seuls. Dans beaucoup de pièces anciennes, la tenue enfoncée des touches par les doigts remplaçait avantageusement la pédale. Ancienne et emploie la pédale avec la plus grande économie. C'est de savoir jusqu'à quel point on pouvait utiliser la pédale et de quelle façon. Et dans le prélude du tombeau de Couperin, on trouvait ça assez intéressant. En fait, on a trouvé plusieurs indications qui nous disaient comment. Parce que la notation de la pédale est toujours quelque chose d'un peu flou. Et Ravel a trouvé des solutions assez intéressantes dans plusieurs cas. On a pu essayer deux pianos pléiels et un piano moderne sur la même scène. Et au même moment. Donc déjà, ça a permis de répondre à beaucoup de questions parce qu'on pouvait passer sans arrêt d'un piano à l'autre. On était toujours avec l'idée du Pleyel de 1886 et après on passait au Pleyel de 1924 et après au piano moderne. Donc mon but, c'était toujours de passer, j'utilisais toujours les mêmes idées. En fait, je me disais, bon, c'est d'abord, qu'est-ce qu'on ferait quand on voit la partition normalement? Et on regarde, la première chose qu'on fait, je le fais sur le piano moderne. Après, je vais sur le piano Pleyel, souvent suivi de 1886, parce que c'était là où la différence était la plus grande. Donc dans le prélude du tombeau, il y a une indication de pédale, ça c'est des exemples, mais il y a des indications de pédale. Par exemple, dans la première mesure, il y a une croche pointée avec une petite liaison qui va à un soupir. Donc en soi, ça nous... Ça ne veut rien dire. Je veux dire, si on le voit la première fois, on regarde une liaison staccato à un soupir, ça veut, pour nous, ça ne veut strictement rien dire. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que si je fais ce que Ravel a écrit sans faire la pédale comme il est. Donc, qu'est-ce que ça fait si jamais on se met sur le Pleyel et qu'on essaie de mettre un peu de pédale? Je vais essayer en l'enfonçant complètement jusqu'au soupir. Quand on met une pédale qu'on enfonce jusqu'au bout avec ce signe de pédale, ça marche sur un piano Pleyel. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais on met exactement la même pédale sur le piano moderne? Bon, voilà, il y en a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de pédales à ce moment-là. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir s'adapter, il va falloir jouer avec ses oreilles un petit peu, il va falloir toujours mettre des quarts, des huitièmes de pédale. Il va falloir jouer un petit peu sur les échelles. Donc, il va falloir vibrer le pied finalement, il va vraiment falloir bouger. En fait, pour revenir un peu à la démarche, nous on est un peu des généralistes, si on peut dire. Et ce que je trouve important, c'est d'essayer de trouver de quelle façon on peut faire migrer des informations sur les pianos d'époque, puis comment la réutiliser sur le piano moderne. Et juste dans les exemples que tu as donnés, là, on a fait un peu un raccourci de tout ça, une synthèse de tout ça, mais c'était vraiment intéressant de voir comment tu as abordé la chose sur un instrument moderne au départ. L'image sonore qui se dégageait de ça. Et il y avait vraiment...
le fait d'essayer la même chose sur un autre instrument, ça a ouvert une porte. Et quand tu es revenu sur cet instrument-là, ben, tu lui as fait faire des choses qui n'auraient pas fait spontanément. Sauf que la dynamique dans laquelle on le fait est complètement différente parce que le travail lent est pour établir une connexion avec le bras et le dos. Alors que dans cette approche-là, il faut un peu éliminer ça et travailler seulement du doigt. Ah, peut-être là qu'il y a la réelle résistance parce que là, il faut accepter d'être un peu un débutant nouveau. Entendu une fois et qu'on a fait l'expérience tactile, on ne peut pas vraiment l'oublier. Mais je pense qu'il reste quelque chose. Et moi, c'est tout l'intérêt de la démarche parce que on voit la différence. Quelqu'un qui a une référence, qui a une image sonore, qui sait que comment il pouvait s'exprimer avec un instrument d'une époque, a beaucoup plus de possibilités comme interprète qu'un autre qui n'a pas ces ressources-là. Ça élargit. Aussi bien du point de vue des connaissances ou du bagage, mais aussi techniquement, la palette. Et ça leur montre en tout cas qu'on peut élargir, qu'il y a plusieurs. Qu'il faut avoir toutes les possibilités à sa disposition. Je pense que ça les trace. Après, c'est intéressant de voir, dans une année, deux ans, ceux qui ont essayé de creuser un peu plus, d'aller plus loin et d'utiliser ce qu'ils ont découvert là. Oui, parce que le temps est un élément assez important, hein, parce que les premières expériences qu'on fait, sont forcément un peu timides. Hein. Et avec le temps, on prend un courage, puis on repousse les frontières un peu plus. Et je pense que c'est une chance pour les étudiants, au moins, d'entrer en contact avec ces instruments-là et les façons de faire. Вкладывать деньги в мои скиллы, либо в видео, которое приносит мне прибыль. Либо, да, типа, да. Вот это, да. Ну да, пока что так. Нет, я не понял.
Ахиби. Thank you.
вообще просто... Что там такое было, мне даже интересно. Да? Что там такое было? Да? Сделал здесь вот точно. Да ты смеешься, что ли? А, ну да, да, если. Я тебе сказал,
Ух ты какой, вообще пустые. Не головой вообще настрадан, ты еще съели. Джика. Да наоборот, да наоборот. Да, это он о себе говорит.
Ладно, окей. Smoothness, smoothie. They're so smoothie. Smoothie, smoothie. Be okay. То есть, понимаешь, мы все, это как бы внутрипопуляционная получается тема. Внутри вот живем себя, да, понимаешь? Это у нас сложности, а мир уже идеален. Он как бы типа в нирване, что ли, находится, как скажешь, это. Понимаешь? То есть, да. То есть это все вот эти жалобы или море эмоций. То есть, как бы, да. Эмоции у мужика, это, то есть, да. Это как бы, ну, нерешенные вопросы просто, да, типа того, понимаешь? Да. Они реально будут негативными. Если у женщины эмоции только там, да, они уходят вглубь куда-то, да, понимаешь? Потому что у нее это как бы, да, типа, понимаешь. Смотри, она такая эмоциональная, тебя умилила и начинает тебя рожать. Ни с того ни с сего не заметила. Как. И это ну, так всегда было, понимаешь? И так и будет. И причем это неплохо, это нормально. Это так, да. То есть, смотри, а ты как жизнь собираешься прожить? Она, понимаешь? Ну да, типа, да. А, ты про меня говоришь, что ли? Да. Это тоже, ты тоже прав просто. Блин, нерешенный вопрос. То есть она. Да, то есть она понимает. Ну да, надо завладеть как. Купил котенка, да, или что-то нас сделал. Всю жизнь, да, это как бы всю жизнь быть мужчиной, мужиком, мудаком. Ну, отдохни тогда, женщина поправит. Ай. Ну, добро себе. Может, забери. Такое тоже где-то было, наверное. Ну, ладно, зато интересно будет. Будет хоть чем заняться тебе. И так далее. Не касается. И это все безобидно, это все играшка, все же, да.